Et on va enchaîner sur le troisième sujet avec Claire Roger qui est présente ici sur le plateau, qui va nous parler de l'administration intermittente ou continue des antibiotiques en réanimation. Merci Claire pour cette invitation. Et donc en effet, on va tâcher de répondre à la question comment optimiser l'administration d'antibiotiques et savoir pour quel patient privilégier un mode d'administration par rapport à l'autre. Alors, il faut pour ça revenir à des bases de pharmacocinétique et de pharmacodynamie très brièvement. Vous savez qu'il y a des antibiotiques qui sont dits concentration dépendants pour lesquels l'élément important est le pic de concentration obtenu par rapport à la concentration minimale inhibitrice. Et c'est par exemple le cas des aminosides. Et puis, il y a un deuxième type d'antibiotique avec une bactéricidie différente qui est, elle, dépendante du temps. Et l'élément important ici va être le temps que les concentrations passent au-dessus de cette cible de la CMI. Et c'est pour ces antibiotiques-là que la question du mode d'administration, continu ou intermittent, va être important. Donc si on prend l'exemple ici de la piperacilline tazobactam et que l'on regarde les concentrations, les profils pharmacocinétiques obtenus avec ces deux types d'administration, bien vous voyez que pour la même posologie journalière de 12 grammes par 24 heures, finalement, on va obtenir des profils pharmacocinétiques très différents et on voit assez facilement que la perfusion continue va être un moyen de maintenir les concentrations plasmatiques au-dessus de la cible pendant tout l'intervalle de dose, avec bien sûr la nécessité pour la perfusion continue d'administrer une dose de charge pour couvrir ces premières heures où les concentrations pourraient être inférieures à ce seuil. Alors, ça, c'est le rationnel pharmacocinétique et pharmacodynamique pour faire de la perfusion continue pour les bêta-lactamines. Est-ce que maintenant, on a des arguments pour dire que ça va améliorer la prise en charge de nos patients et quel en est l'impact clinique? Alors, la première étude qui s'est intéressée à la comparaison de ces deux types d'administration, c'est l'étude Bling 1 qui avait regardé dans une petite cohorte de patients l'atteinte des cibles plasmatiques dans le groupe continu versus intermittent, et on retrouvait un taux plus important de patients qui atteignaient ces cibles dans le groupe continu. Un petit peu plus tard, quelques années ensuite, un essai d'un plus grande envergure avec 432 patients, cette fois-ci inclus, avec un critère de jugement plus fort, la mortalité à J90. Et malheureusement, dans cette étude-là, les résultats étaient négatifs sur tous les critères. Il n'y avait pas de différence au plan clinique entre les deux modalités d'administration. Alors, une des hypothèses des auteurs était qu'un grand nombre de patients avaient été inclus et recevaient une épuration extra rénale continue et que peut-être ce groupe de patients n'avait pas de bénéfice à ce type d'administration. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Pour autant, une année plus tard, une étude même design qui compare intermittent versus continu, mais qui cette fois exclut les patients sous épuration extrarénale, et finalement on retrouve un taux de guérison clinique qui est plus important dans le groupe continu. Alors quand on poule toutes ces données ensemble et on tombe sur un collectif d'un peu plus de 600 patients, et bien là il y a un signal plus fort sur la mortalité hospitalière dans le groupe continu, mais ça reste donc une approche de méta-analyse qui a déjà un niveau de preuve assez important, mais l'essai randomisé Bling 3 qui est en cours de recrutement, qui va inclure 7000 patients avec comme critère de jugement principal la mortalité à J90, permettra de répondre définitivement à cette question. Est-ce qu'on peut modifier le pronostic de nos patients en privilégiant l'administration continue de bêta-lactamine? Alors ça, c'est pour les bêta-lactamines. Il y a d'autres antibiotiques, comme la vancomycine, pour lesquels on peut envisager un bénéfice de l'administration continue. Alors, c'est des vieilles études, mais ce qu'on retrouvait quand on compare intermittent et continu, c'est pas forcément de différence en termes d'efficacité, mais des taux thérapeutiques atteints plus rapidement avec la perfusion continue, et puis des études de coût-efficacité qui étaient en faveur du continu, avec notamment moins de dosage nécessaire. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire la perfusion continue pour tous nos patients? Il y a trois catégories, trois situations cliniques pour lesquelles cette perfusion continue doit être privilégiée à mon sens. La première, c'est les bactéries difficiles.
Alors si on reprend un petit peu de schéma de pharmaco, quand, vous voyez à gauche, quand on veut traiter un patient avec une, qui présente un pathogène avec une CMI basse, hein, 0,25, finalement, une administration intermittente en fractionnant les doses va être suffisante pour maintenir les concentrations au-dessus de cette cible de CMI. Mais dès lors que les CMI vont devenir plus élevées, mais on voit très bien que l'administration intermittente ne va pas être suffisante. Et vous voyez sur le panel de droite, il n'y a que la perfusion continue en rouge ou la perfusion prolongée en bleu qui vont permettre d'atteindre ce 100% du temps au-dessus de la CMI pour les CMI les plus élevées. Et on a des données dans la littérature qui retrouvent du coup ce bénéfice, notamment dans la PAVM pour les patients qui avaient des pathogènes avec des CMI. Ici, c'est pour la piperacine, tazobactam, au-dessus de 8. Et bien, il y avait une guérison clinique qui était plus importante dans le groupe qui recevait la perfusion continue. La deuxième situation clinique, c'est les sites infectieux difficiles. Et notamment le poumon, qui est une situation d'antibiothérapie qui est difficile en termes de diffusion. On l'a un petit peu vu avec la période Covid. Et donc on a des travaux, le travail de Joël Cousson, qui montre que pour la même dose, encore une fois, même dose journalière administrée, en continu versus intermittent, quand on va doser au niveau du poumon, la quantité d'antibiotiques qui va diffuser, on voit qu'aux mêmes posologies administrées, ces concentrations alvéolaires, elles sont plus importantes ici pour le ceftazidime dans le groupe continu. Donc ça favorise la diffusion tissulaire, c'est vrai dans le poumon. Et puis on a aussi des données dans le liquide céphalorachidien pour traiter, vous voyez, une situation complexe, une infection cérébroménagée à pio multirésistant. Et bien l'administration des nouvelles molécules telles que le ceftolozane tazobactam pour des germes difficiles à traiter, finalement, il faut privilégier de la perfusion continue. On obtient des taux qui sont tout à fait satisfaisants au site de l'infection. Puis enfin, la dernière situation clinique, Cédric vient d'en parler, c'est les patients qui sont difficiles à traiter, et notamment ces patients hyperclairants qui vont avoir un risque d'échec et surtout un risque de récurrence. Et finalement, ça va favoriser l'émergence de résistance, le fait d'avoir un sous-dosage au site de l'infection. Et on l'a très bien vu avec Cédric, c'est des posologies extrêmement élevées qu'il va falloir administrer si on utilise notamment la piperacine tazobactam chez ces patients-là. C'est des doses qui vont jusqu'à 16, 20 ou 24 grammes par 24 heures. En perfusion continue, c'est indispensable pour pouvoir atteindre la cible. Mais par contre, à l'inverse, les patients qui vont avoir une fonction rénale qui est altérée, on voit que finalement le temps est maintenu au-dessus de la cible de façon beaucoup plus simple, je dirais avec une clairance diminuée que chez ces patients hyperclairants. Donc chez ces patients-là, l'intérêt de la perfusion continue est nettement plus discutable. Et à l'inverse, il y a un risque plutôt de toxicité qu'on retrouve dans plusieurs cohortes dès lors qu'on n'adapte pas les posologies chez ces patients et qu'on utilise de la perf continue sans adapter la posologie. Il y a un risque de neurotoxicité. Alors, il y a quelques quand même obstacles, je vais aller rapidement, à l'administration en perfusion continue, et c'est majoritairement les problèmes de compatibilité médicamenteuse, le fait d'avoir une ligne veineuse dédiée, et puis surtout un problème de stabilité. Et donc il faut faire attention à la fois à la durée, bien sûr, mais également de la stabilité, mais aussi des concentrations qui vont jouer un rôle important. Et donc pour le méropénem, on peut l'administrer en perfusion continue, mais il faut respecter le temps de 8 heures et 40 mg par millilitre en termes de concentration. Donc juste pour conclure, il y a un rationnel PKPD pour utiliser la perf continue pour les bêta-lactamines. C'est certainement très important pour les sous-groupes de patients qu'on a listés, mais on attend des données un petit peu fortes pour vraiment avoir un impact sur le pronostic. Merci Claire, merci pour ce topo. J'ai une question assez pratique puisque... Là, j'imagine qu'entre les trois premiers topos, enfin grâce aux trois premiers topos, nombre des collègues qui sont face à leur ordinateur se disent « moi, j'aimerais bien mettre ça en place dans ma réa et comment je vais faire ?» Donc en pratique, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui sont en train de se dire « finalement, il va falloir vraiment qu'on s'y mette et qu'on s'y mette bien rapidement. Est-ce qu'on peut s'y mettre très rapidement, justement ?» Alors très rapidement, je pense qu'il y a un travail en amont à faire qui est indispensable, qui est celui de former l'équipe paramédicale, d'écrire un protocole de service avec justement ces recommandations de schémas posologiques en fonction des situations, et puis notamment d'avoir un protocole qui va décrire les dilutions à respecter, les changements de seringue, puisqu'on parle de perfusion continue, mais tous ne sont pas
pas stable sur 24 heures. Donc, il est important de prendre en considération les changements de seringue. Donc, par exemple, sur 8 heures pour le méropénème. Et ça, il faut bien le protocoliser parce que ça peut être source d'erreurs, et notamment d'erreurs posologiques. Il y a des données qui l'ont montré dans la littérature. Donc, voilà, important de former et d'avoir un protocole écrit pour l'unité. Après, pour ce qui est des dosages, lorsqu'on les a à disposition dans nos hôpitaux, ce qui n'est pas toujours le cas, comme le soulignait Cédric, puis on ne l'a pas tous les jours, parfois c'est quelques jours par semaine pour certains antibiotiques, comment tu gères ça? Si tu fais une dose de charge avec une perfusion continue, comment tu propose de suivre ces dosages pharmacocinétiques pour justement faire de l'adaptation posologique? Alors, en effet, hein, je crois que la principale limite, c'est la disponibilité des dosages en temps réel. Parce que finalement, on arrive à les obtenir, mais avec, selon là où ils sont dosés, si on externalise, il peut y avoir un décalage qui fait que bah, finalement, comme on fait des antibiothérapies assez courtes maintenant, ça ne va pas bénéficier directement aux patients. Donc, nous, en pratique, on a un certain nombre de bêta-lactamines qui sont dosés dans l'unité. On a protocolé également le dosage antibiotique après 24 heures d'administration en perfusion continue, avec là aussi un timing. Le prélèvement doit arriver une heure précise au laboratoire pour qu'il soit finalement dosé dans la journée avec un retour rapide vers le patient. Malgré tout, je crois que le fait de doser, même quand on ne l'a pas en routine, tous les jours, ça permet quand même de détecter ces sous-dosages importants pour les patients qui sont hyper clairants, et ça permet de sensibiliser. Et même si ça ne bénéficie pas directement au patient pour lequel on a dosé, ça reste de l'éducation, et je pense que c'est intéressant malgré tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, je pense que là, on montre bien que vraiment cette antibiorésistance, eh bien, on peut travailler au quotidien pour se battre contre cette antibiorésistance en faisant des choses assez simples, en effectivement mettant en place des protocoles dans nos unités pour justement améliorer ces pratiques et en essayant de réduire la durée de traitement antibiotique. Et c'est pour ça que Marc Léon va nous parler du topo, quelle durée.